Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test sur un jeu rétro. Et on va s'intéresser tout de suite à un petit match, un petit jeu de, comment dirais-je, un jeu de plateforme qui faisait un jeu de d'action plateforme, mais quasiment, mais pas très fameux, à savoir The Flash, sorti en 1993, édité par Prob, hein, un jeu mettant en scène le célèbre, comment dirais-je, super-héros ultra rapide, à savoir Flash. Alors, un jeu franchement un petit peu, mais pas très fameux, si je puis dire, parce que déjà, non seulement le jeu, franchement, le personnage est beaucoup trop rapide, mais en plus, c'est pas le plus fameux au monde, parce que non seulement on se fait un petit peu, mais bolosser, mais en plus, il faut vraiment, mais pas accélérer, quoi. Il faut vraiment, mais attention! Ah là là là! On se fait bolosser par les ennemis, et ça, c'est hyper casse-couille. Donc, vous contrôlez Flash, alias Barry Allen, un super-héros à la vitesse ultra rapide, même beaucoup trop, tellement le mec, il sait pas, comment dirais-je, se contrôler. Et tellement il contrôle pas assez sa vitesse. Ah, des super. Non, mais attends, je viens de me faire mal à cause de vulgaires pylônes. Non, mais le jeu de la cruauté extrême, quoi. Le picole, il est. Oh là 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 là. Depuis quand les pylônes, ça fait mal? Enfin, c'est même pas des pylônes, c'est des plots. Mais bon, pas grave, je me comprends. Je me comprends. Et même, je me comprends, mais vraiment, quoi. Mais allez! Oh là! Putain, le jeu est tellement épouvantable qu'il mérite d'être testé soit par la VGN ou soit par le joueur du grenier. Enfin, dans tous les cas, il mérite d'être testé. C'est un sacré client. C'est un sacré client. Donc, le but du jeu, c'est donc, au lieu d'aller vite, on essaie de, comment dirais-je, de ne pas aller trop vite. Parce que Flash, il a la réputation d'aller extrêmement vite. Mais le problème, c'est qu'il ne contrôle pas sa force, ni sa vitesse. Et ça, c'est. Et ça, c'est vraiment mes casse-couilles super saoulant, quoi. Mais je l'ai touché, putain! Oh! Oh là là! Mais c'est pas possible, sérieux! Oh là 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 là! Mais. Franchement, mais les. Le jeu du casse-couille, quoi. Mais qu'est-ce que. Ah, d'accord, c'était. C'est un ressort. Très bien. Bon, écoutez, on va pas essayer de chercher les contacts parce que ça ne sert à rien. Alors, là il y a des aplatisseurs. Merde, j'ai. Oh, le jeu est vraiment mais d'une sévérité. Le jeu, franchement, il est pas drôle. Franchement, le jeu est pas marrant. Franchement, on se fait mais. Quand je viens de vous dire, on se fait mais bolosser par tout le monde. On se fait bolosser par les voyous. On se fait bolosser par les décors. Et on se fait bolosser par des plots. Non mais. Mais c'est génial. Et en plus, on est limité en temps. Mais c'est génial. C'est génial. Oh, et en plus, au comble de tout, il y a les mecs. Enfin, les ennemis vous balancent des couteaux. Et on n'arrive pas très bien à les éviter. Oh mais allez, merde! Oh là 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 là! Bref, attention, il faut vraiment mais, faut vraiment mais pas très, faut pas chercher le contact, faut pas chercher le contact. Bon. Ah putain de bordel de. Ok, j'ai perdu. Donc, le jeu est sorti en 1993 sur Sega Master System, édité par Probe. Ça fait souvent des jeux mettant en scène des super-héros, les gens de chez Probe. Putain de merde, bon, t'es. On va essayer de chercher le contact parce que sinon après ça va pas le faire. En plus je crois que c'est le seul jeu Flash qui existe. Je sais pas s'il en existe encore. Enfin s'il en existe d'autres, c'est ce que je voulais dire. À ma connaissance, c'est le seul que j'ai trouvé, hein.
Bon. Là. Oh, mais putain. Ça, c'est aussi c'est emmerdant, sérieux. C'est pas marrant, sérieux. C'est pas marrant. Franchement, ce n'est pas marrant. Mais c'était pas marrant du tout. Non, déjà, le jeu est vraiment est très très mal codé. Et en plus, non seulement on est limité en temps, mais en plus. On peut pas. On peut vraiment pas faire grand-chose. Mais vraiment. D'accord, je suis transformé en toupie. Voilà. Alors attention, quand j'ai dit Flash, je veux parler de Flash, le super-héros le plus rapide qui existe dans la, dans les, comment dirais-je? Ah oui, dans le roster de chez DC Comics, puisque c'est tiré d'un personnage qui faisait d'un super-héros de chez DC Comics, hein, qui n'a strictement rien à voir avec Flash comme Flash Gordon. Hein. Non, 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 ça n'a rien à voir. Oh, et putain de. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est emmerdant? Ok. Attends. Bon, attends, on va éviter les ennemis parce que les ennemis sont vraiment, mais. Assez, mais. Assez emmerdant! Oh, voilà, attention. Attention à cela. Attends. Si on peut. Mais franchement, le jeu est vraiment mal codé. Non seulement on contrôle. Ah merde, d'accord. Hein. Ah oui, les items qu'on doit ramasser, c'est des sortes de boîtes représentant l'emblème de Flash. Problème. C'est qu'il y a certaines qui sont piégées. Hein. Attends, est-ce que. Ok. Là, il y a un sauteur, voilà. Attends. Ouais. Oh mince. Oh là 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 là. Mais c'est fou à quel point le jeu est extrêmement dur. Mais trop dur! Mais beaucoup trop dur! Ah non, mais ce jeu, c'est vraiment un sacré client pour le jour du grenier. Hein. Et qui puisait pour la VGN. Parce qu'il me semble qu'il n'a pas testé ce jeu. Et le jour du grenier non plus. Et pourtant, c'est un sacré client. C'est un putain de sacré client. Donc je vous rappelle, on contrôle Flash, alias Barry Allen, un mec ultra rapide, mais vraiment beaucoup trop tellement il ne se contrôle pas. Mais ce jeu est très punitif, mais très très chiant, très très emmerdant. Et en plus, comme je viens de vous dire, Flash est tiré du célèbre super-héros de chez DC Comics. J'en profite également pour faire une dédicace à tout. Les fans de chez DC Comics. Ah, attends. Plus je sais même pas où est-ce qu'on est, étant donné que. Oh, mais putain! Bon, allez, on va essayer une dernière fois. Si je réussis pas, j'abandonne. Allez. Striker pour mer. Ok, on va. Lutter un mec qui s'appelle le Striker, qui veut devenir maire. Bon, allez, ce coup-ci, on va essayer de mieux jouer parce que là, j'avoue que j'ai fait un petit peu de la merde. Mais bon, le jeu aussi est une merde. Hein. Je vais pas vous le cacher. Donc, allez, voilà. On bute. Voilà. En fait, il faut pas aller vite. Faut pas aller vite. Faut pas aller vite. Enfin, si on peut aller vite, mais pas trop forcé quand même. Alors, attends. Attention, voilà. Là, c'est bon, j'ai pigé comment il faut faire. Ok. D'accord, très bien. Là, il y a des items représentant l'emblème de Flash. Attention, oui, alors les plots font mal. Oui, il faut pas oublier que les plots font mal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon. Aïe. Non, mince! Oula! Oh, mais je l'ai touché, sérieux! Oh là là, mais ce jeu est punitif, sérieux! Il est punitif comme c'est pas permis! Bon. Ok.
Oh là 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 là, et merde. Attendez. Allez, allez, on se concentre, on se concentre. On se concentre. Oh mince. Oui, attention parce que certaines boîtes sont piégées, hein. Je sais même pas comment il a fait pour me toucher alors que... Et voilà, non, attends. Bon, écoute, ras-le-bol, on a des ennemis à buter. On va accélérer un petit peu le mouvement. Ouais, écoute, on laisse tomber. Ah, les merdes, oh là là. Allez, mais saute, mon Dieu. Oh là, les... Oh, les sauts aussi, c'est casse-couille. Les sauts aussi, c'est casse-couille. Mais putain, vas-y, oh. Ok. Bon. Eh ben, en tout cas, je serai le premier à avoir testé un jeu de merde. Enfin, j'ai souvent testé des jeux de merde, mais pas vraiment celui-là. Bon, je pense que j'ai essayé de... Oh, j'ai essayé de tant bien que mal de surpasser le jour du grenier. Alors, déjà, attends. Oh, merde. Je suis sûr que... D'accord, je peux pas monter. Là, je suppose qu'on peut pas monter. Entrée. Bon. Alors. Attends. Starfood. Ok. Ok. D'accord. Je suppose que... Au lieu de passer par là, on doit passer par ici. Hé, le sauteur. Oh mince! Oh là 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 là. Je vous l'ai dit, ce jeu, franchement, il est extrêmement dur. Il est extrêmement dur, ce jeu. Franchement, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, aller vite. Vous ne pouvez pas risquer votre cul. Enfin, si on risque son cul, on peut aller vite. Mais bon. Oh tiens. Ok. J'ai activé un levier. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, je suppose que ça va peut-être baisser les flammes du haut. On va vérifier. Ah oh, mince. Ah, d'accord. Ok. Voilà, attention. Oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, écoutez, je propose qu'on s'arrête là parce que là, je pense que ce jeu est saoulant. Franchement, bref. Ce jeu n'est pas drôle. Ce jeu n'est pas drôle. En plus, on se fait bolosser sans arrêt et ça, franchement, c'est pas cool. Bon, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc The Flash, sorti en 1993, édité par Probe Software et Sega, sorti sur Sega Master System. Un jeu mettant en scène le super-héros Flash. Alors le jeu franchement est extrêmement dur, extrêmement pas simple, extrêmement difficile. Non, non, non seulement il faut en aucun cas aller vite, mais en plus on ne cesse de se faire bolosser. Et si un jour, le jour du grenier... le tester ainsi que la VGN, ben je leur souhaite bonne chance. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici à salut et au rendez-vous pour de prochains tests. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.